Reçois nos acclamations ce matin.
Se prosternent, alléluia. Ils jettent leur couronne et disent digne est l'agneau, alléluia. Digne est l'agneau, alléluia. Merci Seigneur de nous accorder ces temps dans ta présence, éternel des armées. Merci pour le souffle de vie, merci parce que tu nous maintiens encore en vie pour que nous puissions d'abord t'adorer, alléluia. Pour que nous puissions d'abord te bénir. C'est là même l'essence de notre vie, adorer ce Dieu, ce Créateur. Alléluia. Et nous savons qu'un jour nous allons le voir face à face, face to face. Et nous pourrons lui dire, et nous aurons toute l'éternité pour lui dire combien nous l'aimons. Et nous aurons toute l'éternité pour qu'il puisse nous remplir de son amour et de sa grâce. Et là où nous comprendrons encore davantage, il y a beaucoup d'échos dans mon micro. Là où nous comprendrons encore davantage que cette vie ici sur terre n'est rien, rien. Comparé à ce qui nous attend, alléluia. Comparé à ce qui nous est réservé, cette vie si bas n'est rien, alléluia. Alors profitons de cette vie pour adorer Dieu, profitons de cette vie pour faire connaître le nom du Seigneur, profitons de cette vie pour sauver le maximum et les emmener à partager la gloire du Seigneur le jour où il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Je vais nous inviter à prendre la parole de Dieu. Nous allons revenir dans le livre de Job pour finir. Dans Job, le chapitre 1. Je vais relire cette histoire pour ceux qui n'étaient pas là. La Bible dit dans Job à partir du verset 1, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir.
L'holocauste pour chacun. Alléluia. L'holocauste pour chacun. Après avoir décrit ce que Job était, après avoir décrit sa richesse, après avoir décrit ce que Job faisait pour ses enfants, la Bible nous dit et finit par dire, c'est ainsi que Job avait coutume de faire. C'est-à-dire que Job ne le faisait pas une fois, Job ne le faisait pas deux fois. Job avait coutume de faire cela. Ça veut dire que c'était une pratique pour Job. Un holocauste pour chacun. Un holocauste pour chacun. Et ses fils faisaient régulièrement ces fêtes. Régulièrement, où ils se retrouvaient dans ces festins. La Bible dit, ils faisaient tour à tour. Je ne sais pas c'était à quelle fréquence. Est-ce que c'était tous les jours? Est-ce que c'était toutes les semaines? Est-ce que c'était tous les mois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible dit, il faisait tour à tour et il avait 7 fils tout de même. Mais à chaque fois, la Bible dit que Job, c'est comme ça qu'il faisait. C'est comme ça qu'il avait coutume d'agir. L'holocauste pour chacun. L'holocauste pour chacun. Parce que Job se disait dans son cœur, je ne sais pas ce que ses enfants ont fait. Comme je le disais le dimanche dernier, l'intérêt de Job, ce n'était pas sa richesse. Vous savez, quelquefois, Dieu nous bénit et nous commençons à nous attacher plus à la richesse qu'au Dieu qui nous a bénis. Quelquefois, Dieu nous bénit et nous oublions l'essentiel. Alléluia. Ta richesse n'est pas plus importante que tes enfants. Peu importe la richesse que Dieu t'a donnée. Ta richesse n'est pas plus importante que ton époux. Ta richesse n'est pas plus importante que ton épouse. Ta richesse n'est pas plus importante que ta famille. Écoute-moi encore très bien. Ta richesse n'est pas plus importante que les relations. Peu importe la richesse que Dieu t'a donnée. Les relations que Dieu te donne ont plus de valeur. Je dis bien peu importe, même si tu es l'homme le plus riche. Les relations que Dieu t'a données ont plus de valeur que la richesse que tu as. Et vous savez, des fois et souvent, ça nous monte à la tête. Et vous allez voir une personne qui a été bénie par Dieu, néglige les relations. Les gens à ses yeux n'ont plus d'importance. On peut se permettre de parler n'importe comment à n'importe qui. Et ce qui est même choquant, c'est de voir que les personnes qui t'avaient soutenu, avec qui tu avais galéré, ces personnes-là, tu commences à les considérer moins que rien. Parce que tu estimes que tu as maintenant un rang plus élevé. Tu estimes que tu as un rang plus élevé. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ici présent ou au travers les médias, je te pose la question. Depuis que Dieu a apporté quelque chose dans ta vie, ce n'est pas encore peut-être beaucoup, mais rien que le petit changement, je te demande de faire une méditation. Pense un peu à ceux-là avec qui tu étais dans la galère. Pense un peu à ceux-là avec qui tu souffrais. Pense un peu à ceux-là qui t'ont aidé quand tu n'avais rien. Pense un peu à ceux-là qui t'ont soutenu quand tu n'avais rien. Et je te pose la question, comment tu les regardes aujourd'hui? Je te pose la question, quelle relation tu as encore avec eux aujourd'hui? Je te pose la question, la dernière fois que tu l'as appelé, c'était quand? La dernière fois que tu as appelé cette personne qui t'a soutenu quand tu connais, c'était quand? C'était quand? Tu me diras peut-être que oui, mais je suis maintenant trop occupé. Tu me diras peut-être que le temps me manque. Laisse-moi te dire que c'est faux. C'est faux. Il y a un proverbe qui dit, la maison d'un ami n'est jamais loin. La maison d'un ami n'est jamais loin. Jamais loin. Ça veut dire que tu peux à tout moment contacter un ami. À tout moment. Je ne sais pas pourquoi mon cœur est là-dessus, parce que ça me fait mal de voir comment certaines personnes, quand Dieu les bénit, ils oublient tout. Quand Dieu te bénit, tu auras beaucoup d'amis. Mais ceux-là qui sont venus quand Dieu t'a béni, je ne dis pas qu'ils sont des faux amis. Je ne dis pas ça. Mais je me pose souvent la question.
Est-ce qu'ils t'aiment réellement? N'est-ce pas ton argent qui les attire? La question restera toujours posée, ça sera difficile de répondre à cette question. Mais au moins, si tu te poses la question de savoir par rapport à ceux-là qui étaient avec toi à la galère, là tu as déjà la réponse. Parce qu'avec toi dans la galère, ils sont restés tes amis. Là au moins tu as déjà la réponse. Pour ceux qui sont devenus tes amis, je ne peux pas répondre moi. C'est le point d'interrogation. Jusqu'au jour où tu n'en auras plus, toi-même tu feras le compte et tu verras combien vont rester encore à tes côtés. Mais la dernière fois que tu l'as appelé, on t'envoie des messages, tu reçois. Tu vois les messages. Tu n'as pas le temps de répondre. Ces personnes-là peuvent commencer à t'appeler du matin jusqu'au soir, ça sonne. Tu ne décroches pas, même pas d'excuses pourquoi tu n'as pas décroché. Bien-aimé, Job, ce n'était pas la richesse, mais il était conscient que Dieu lui avait donné un trésor. Et vous savez pourquoi les gens qui vont chercher la richesse ailleurs qu'auprès de Dieu, on y croit toujours fort. Vous savez pourquoi les gens vont chercher, ceux qui vont chercher la richesse et le bonheur auprès de Dieu, chez les marabouts, chez le diable, etc. Souvent le diable va leur dire, donne-moi ton enfant, donne-moi ta femme, donne-moi ton mari, donne-moi ton bonheur, donne-moi ton avenir et je te donnerai l'argent. Le diable veut leur faire croire que la richesse vaut plus que ces choses-là. Alors qu'en réalité, ce que le diable leur prend a plus de valeur que ce qu'il leur donne. Le diable n'est pas bête. Pose-toi la question, pourquoi le diable est prêt à te donner la richesse en échange de ton enfant? Parce qu'il sait que ton enfant a plus de valeur que la richesse qu'il te donne. Pourquoi le diable va te pousser à devenir orgueilleux, à tourner le dos à tout le monde et il te donnera la richesse et la gloire? Parce qu'il sait que les relations humaines ont plus de valeur que ce qu'il est en train de te donner. Sauf que toi, tu ne le comprends pas parce que tu es focus sur la richesse. Je prie Dieu qu'il nous bénisse davantage, tous, 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 par les biens matériels, voiture et toute autre chose. Et bien aimé, que ça ne te détourne jamais de la face de Dieu. Alléluia. Que ça ne te détourne jamais de la face de Dieu. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai pris du temps là-dessus. La Bible a dit que Job, pendant que ses enfants étaient, lui, il s'intéressait, c'était sa famille, ses enfants. Il ne voulait pas perdre ce trésor que Dieu lui avait donné. Et à chaque fois que ses enfants avaient fini de festoyer, le dimanche passé, on a vu que Job sanctifiait ses enfants. Mais on se rend compte qu'au-delà de cela, Job allait et il faisait l'holocauste pour chacun. Il dit bien, pour chacun d'entre eux. Ce n'était pas l'holocauste pour tous les enfants, pour chacun d'entre les enfants. Job offrait un sacrifice à Dieu. Il donnait quelque chose à Dieu. Et il intercédait certainement. Et il prononçait des paroles certainement. Il venait en disant, je donne cet holocauste, peut-être que mes enfants ont péché, que ce soit pour le pardon, que ce soit pour la bénédiction, que ce soit pour la protection, je ne sais. Mais il savait qu'il pouvait recourir qu'en Dieu et qu'en Dieu seul. En Dieu qu'en Dieu seul. Exode 20 nous parle de cela. Alors que Job était dans cette pratique, la Bible nous raconte et nous dit ce que Dieu disait de faire. Et quand nous allons dans Exode 20, comme je vous disais, 24, la Bible nous dit ceci. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Job avait compris une chose, c'est que Dieu aime le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même inspiration certainement qui était montée peut-être dans le cœur de Caïn. Il a dit, là où il y a le sang, il y a le sacrifice, Dieu est là. Son frère, plutôt, je voulais parler d'Abel, son frère Caïn, il avait offert autre chose. La Bible dit que Dieu n'avait pas agréé. Et pour attirer la faveur de Dieu dans la vie de sa famille, dans la vie de ses enfants, Job faisait cela. Il se souvenait peut-être de ce texte en se disant, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi. C'est Dieu qui dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Bien-aimés, vous savez, il y a des choses qui attirent Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même, il vient jusque à toi pour te faire du bien.
Il n'attend pas que tu viennes dans sa présence. Dieu se décide parce que tu fais certaines choses qui attirent Dieu. Et les choses qui sont une attraction vis-à-vis de Dieu, que Dieu ne peut même pas se retenir. Il se décide, il se lève. Lui-même, il dit, il vient, il dit, je te bénirai. Je te bénirai. Il faut avoir un mode de vie tel que ça attire la grâce de Dieu. Un mode de vie tel que Dieu, quand il te voit, il est impatient de te bénir. Il ne veut pas prendre le temps que tu viennes à lui, mais il dit, je viendrai à toi. Et Dieu dit ici, il rattache cela au sacrifice. Quand il y a le col, quand il y a l'holocauste, quand il y a le sacrifice, Dieu il dit qu'en ce moment-là, à cause de ce que tu offriras, partout où je me rappellerai mon nom, partout où je me rappellerai mon nom. C'est-à-dire que quand tu fais ce sacrifice, que le nom du Seigneur est invoqué, le nom du Seigneur est élevé, le nom du Seigneur est béni, Dieu, il se dit, je dois aller vers cette personne, je viendrai à toi et je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Bien aimé, ne négligeons jamais le sacrifice et l'holocauste. Ne négligeons jamais l'action de grâce. C'est quelque chose qui attire la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu souhaitait que cela soit fait ainsi. Et il voulait qu'à chaque fois qu'il y ait un sacrifice, et qu'il y a lavé le sang, la Bible nous dit, Dieu est là. Parce qu'il ne peut pas avoir de sacrifice sans le sang. C'est un principe spirituel. Quand il y a le sacrifice, même le diable sait que le sang doit couler. Et quand le sang coule, ça ouvre des portes dans une dimension spirituelle. Le sang ouvre des portes à une dimension spirituelle. Où tu attires des choses à toi à cause du sang. Soit c'est positif et ça vient de Dieu, soit c'est négatif et ça vient du diable. Partout il y a le sang, il y a toujours ce phénomène-là. Partout il y a le sang. Ésaïe 34 va parler cette fois-ci du premier-né. Dieu disait, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne et tu le rachèteras. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu racheteras tout premier-né de tes fils et l'on se présentera point à vide devant ma face. Dieu sait que quand on vient devant sa face, ce qu'on apporte, ça attire quelque chose. Il sait que ça déclenche quelque chose. Il sait que ça attire une faveur. Aujourd'hui, les hommes, comme je disais, se sont attachés tellement à la richesse que même ce Dieu qui leur a donné, ils ont du mal à redonner à ce Dieu-là. Comme on dit, ils ont du mal à renvoyer l'ascenseur à Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a donné et tu as du mal aujourd'hui à donner à Dieu. Combien de personnes ont encore le cœur lourd quand il faut donner la dîme? Combien de personnes ont encore le cœur lourd quand il faut faire une offrande? Mais ils te diront, ma vie c'est la bénédiction. Ils te diront, ma vie c'est la grâce. Ils te diront, ma vie c'est Dieu qui m'a donné. Mais est-ce que tu peux penser à donner aussi à ce Dieu-là? Ça devient difficile parce que le diable nous fait voir, et la vie ici sur terre nous fait voir que c'est l'argent, la richesse. Il faut s'attacher à ces choses-là. Parce que le jour où tu n'as pas l'argent, le jour où tu n'as plus la richesse, tu n'es plus considéré. Le jour où tu n'as plus une belle voiture, tu n'es plus considéré. Le jour où tu n'as plus une belle maison, tu n'es plus considéré. Le jour où tu ne t'habilles plus bien, tu n'es plus considéré. Alors que cette façon de donner à Dieu nous prouve une chose. Que nous reconnaissons la source de notre bénédiction d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Nous reconnaissons la source de notre bénédiction. Et parce que nous reconnaissons la source de notre bénédiction, il nous est facile de donner à ce Dieu-là qui nous bénit lui-même. Amen. Deuxièmement, ça nous rappelle une chose. Que nous ne sommes pas ingrats devant Dieu. Que nous le remercions pour tous ses bienfaits. Pour tout ce qu'il a fait, nous sommes là pour remercier l'Éternel. Nous sommes là pour dire merci à Dieu. Bien aimé, ce que Dieu nous demande est si peu de choses par rapport à ce qu'il a accompli dans notre vie. Si peu de choses. Mais le peu que Dieu nous demande, nous avons souvent du mal à lui donner. Parce que nous sommes ingrats. Et troisièmement, ça nous pousse à comprendre la considération que nous avons de Dieu. La considération. Dieu peut te bénir et faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu continues de considérer Dieu?
que tu continues de considérer Dieu? Quelle est la place que Dieu a aujourd'hui dans ta vie? Tout ce que Dieu fait dans ta vie est une bénédiction. Chaque pas que l'on fait est une bénédiction. Amen. Alléluia. Quand je parle de la bénédiction, je ne parle pas seulement des personnes là qui sont devenues millionnaires. On a vu des personnes qui, le simple fait de changer de pays, deviennent orgueilleux. On a vu des personnes, le simple fait de changer de voiture, ça les rend orgueilleux. La voiture, simplement, il a changé. On a vu des gens, le simple fait de changer de maison, deviennent orgueilleux. On a vu des gens, le simple fait de se marier, ils deviennent orgueilleux. C'est comme si l'alliance avait apporté la vie éternelle dans sa vie. On a vu d'autres, le simple fait d'avoir des enfants, ils rendent orgueilleux. Il y a même des exemples dans la Bible. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour te bénir, ce n'est pas pour t'éloigner de lui. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que la considération que tu as envers Dieu puisse augmenter. Amen. Quand Dieu, plus Dieu agit dans ta vie, plus tu considères Dieu. C'est-à-dire que Dieu reste toujours au-dessus de tout ce qu'il y a dans ta vie. On peut faire le bilan de ta vie, Dieu sera toujours au-dessus. Amen. Comptabiliser tout ce que tu as, tout ce que tu as fait, tous les exploits que tu as, tout ce que tu as acheté et tout ce que tu possèdes, ton plus grand bien, ça restera toujours Dieu. Amen. Au point qu'au fond de toi, ta prière, ça va toujours dire: Seigneur, malgré tout ce que tu m'as donné, je suis prêt à perdre tout, mais jamais te perdre. Yes. Je suis prêt à perdre tout, mais jamais perdre la relation que j'ai avec toi. Amen. Seigneur, je peux accepter que la pauvreté entre dans ma maison, mais que le péché n'entre pas dans ma maison, que ça ne détruise pas mes enfants, que ça ne détruise pas ma vie. Parce que ça, c'est ma relation avec toi. On a vu des gens, parce que Dieu les a élevés, ils commencent à mener une vie et ils entraînent leur famille dans une vie qui ouvre les portes au péché. Ils encouragent eux-mêmes leurs enfants. Et ils disent: mais c'est normal. Ils grandissent dans des bonnes conditions. Grandir dans des bonnes conditions ne veut pas dire grandir à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu peux élever tes enfants dans la richesse et tout leur donner et leur faire respecter les principes de la vie et les principes de Dieu. C'est pas parce que tu as l'argent ou bien que tu es riche ou bien que tu as une certaine position que tu dois maintenant accepter que tes enfants aient une vie dévergondée. Et tu justifies cela en disant: mais c'est normal, ils doivent profiter de l'argent de leurs parents. Moi, j'ai trop souffert quand j'étais enfant, alors maintenant eux, on permet tout et n'importe quoi. C'est pour ça que la jeunesse aujourd'hui est détruite, parce qu'elle n'a plus de repères. Il n'y a plus personne pour leur dire stop. Il n'y a plus personne pour leur dire tu peux aller de là à là. Il n'y a plus de limites. On leur tolère tout. On leur tolère tout. Toi-même, tu es complexé devant ton enfant. Ah non, vraiment, il a la chance, il est né en Europe. Moi, j'ai souffert en Afrique. Et alors? Et alors? Et alors? C'est pas pour toi que tu vas te complexer devant ton enfant au point de lui permettre tout. L'enfant commence à t'apprendre les choses. Et toi, tu es là, tu acceptes tout. Parce que moi, là-bas, côté. Et même quand on vient te faire des reproches, toi-même tu dis: non, c'est comme ça. Les enfants qui sont en Europe, ils sont comme ça. Ouais. Les parents abandonnent même l'éducation. Et ils justifient tout en disant que ceux qui sont nés en Occident, ils sont comme ça. C'est leur façon de parler. Et des fois, ils ont une façon de parler qui est impolie. Mais tellement ici, dans leur éducation, on ne leur apprend pas cela. Quand ils parlent, ils ont l'impression que c'est normal. Des fois, leur façon de se tenir, elle est mauvaise. Mais comme on ne leur a pas appris ça, leur façon de s'habiller, comme on ne leur a pas appris ça, pour eux, quand ils s'habillent de cette manière-là, c'est normal. Parce que depuis la crèche, on leur a dit que c'était bien. Oui. Où sont les parents pour recadrer ces choses? Où sont les parents pour regarder ces choses et dire: la Bible dit. Je ne veux même pas parler de ta culture. Dire: la Bible dit, mon enfant, ça, pas chez moi. Je peux te tolérer ci et ça. Je peux te donner ce que tu me demandes, mais là, tu me demandes quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais je ne donne pas. Je t'aime beaucoup, mais je ne céderai pas. Pourquoi? Pourquoi papa? Pourquoi maman? Parce que simplement Dieu a dit. C'est tout. Parce que Dieu a dit. Mais mes amis se moqueront de moi, ce n'est pas grave. Dieu a dit. Sache que nous sommes chrétiens. Nous avons une identité. Et apprends-toi aussi à être fier de cette identité à l'école, au travail, au stage, partout où tu iras. Apprends à être fier de cette identité. Parce que ça va te sauver. L'Europe, l'Occident passera. Mais l'éternité nous attend. L'éternité nous attend. Si Dieu m'a fait grâce, que j'ai quitté mon pays, je suis venu, j'étais enfanté dans un pays où tu as le lait, le yaourt, le ketchup. Sache que ça ne se limite pas là. Mon travail de parent, c'est aussi faire en sorte
pour que tu puisses entrer au ciel. Ah, j'ai souffert, je me suis battu, j'ai tout abandonné pour mes enfants. Maintenant, je crois que c'est bon parce que j'ai les enfantés ici en Europe. Maintenant, je peux me reposer. Ils sont déjà en Europe. Qui t'a dit que l'Europe, c'est la garantie? De la même manière que tu te soucies et de ton avenir et de l'avenir de tes enfants, tu as tout fait, tu as peut-être tout abandonné au pays avec des sacrifices. Et tu es venu les enfanter dans un pays, comme je disais, où coule le lait et le miel. Entre guillemets. De la même manière, est-ce que tu te soucies aussi que ces enfants ils doivent avoir la vie éternelle? Est-ce que tu penses aussi à ça? Dans ton éducation, dans ta manière de leur faire des faveurs, dans ta manière de leur parler, dans ta manière toi-même de te comporter pour être exemple envers eux. Est-ce que tu penses aussi que tu dois les emmener à avoir l'éternité? Ou bien pour toi, la vie se limite seulement à l'Europe? Bien-aimés, changeons notre manière de faire. Alléluia. Amen. Je disais, ça donne la dose à laquelle nous considérons Dieu. Dans 2 Samuel 24, 24, un jour, le roi David, ce roi qui était tant aimé dans son peuple, malgré toutes les turbulences qu'il y avait dans sa famille, toutes les épreuves par lesquelles il est passé, les tentatives de coup d'état, tentatives d'assassinat, il était aimé et respecté. Et du reste, il a dit, il était moins selon la volonté et le cœur de Dieu. Un jour, alors que lui, à son tour, il cherchait à faire un sacrifice à l'Éternel, parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il arrange avec Dieu. Et lui a dit qu'il s'est présenté et il est allé comme tout être humain, sans escorte. Il est allé pour chercher. Et alors qu'il est arrivé devant la personne de qui il devait prendre, cette personne-là vient et lui dit que mon Seigneur le roi prenne l'air, qu'il prenne tout ce qu'il a à prendre. Tout. Tu es le roi. Je ne veux rien te faire payer. Prends, c'est gratuit. C'est pour toi. Cette personne avait conscience d'une chose. À l'époque, le roi avait le droit sur tous tes biens. Est-ce que tu m'as entendu? À l'époque, le roi avait les droits sur tous tes biens. Et il avait même le droit de vie et de mort sur toi. J'insiste là-dessus pour que tu puisses comprendre une chose. C'est que cette valeur qu'on nous a transmise en disant « Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur », le mot « Seigneur » quelquefois, nous ne nous rendons pas compte combien ça pèse. Je te répète encore qu'à l'époque, le roi, il avait le droit sur tous tes biens. Et il avait le droit de vie et de mort sur toi. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de tes biens? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta famille? Est-ce qu'il est le Seigneur de tes enfants? Est-ce que dans la manière dont tu éduques tes enfants, tu veux que Jésus-Christ soit le Seigneur, mais qu'ils soient reconnus comme des enfants occidentaux, développés? Qu'est-ce que tu recherches? Quelle éducation tu cherches pour tes enfants? Tu veux qu'on les catégorise dans quoi? Ta maison, la manière dont tu diriges ta vie toi-même. Tu veux qu'on te catégorise dans quoi? Qu'on te catégorise comme une personne qui vit dans un pays occidental, développé soi-disant, ou bien qu'on te catégorise comme un chrétien, celui qui a pour Seigneur Jésus-Christ. Quelle identité tu cherches et comment tu t'affiches? Il vient, il se procède et dit, prends tout ce que tu as à prendre. Le roi le regarde et il lui dit, non, non, au verset 24, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 sicles d'argent. Quelle occasion où on te demande d'économiser 50 sicles d'argent. On te donne gratuitement. Oh, je préférais garder. J'en aurai encore plus. Voilà comment nous tous nous réfléchissons. Je préférais garder. Quelle aubaine! On me dit de ne pas payer. Oh, je préférais garder. Ça va me permettre de faire autre chose. Ça va me permettre de compléter le carton qui doit partir. Ça va me permettre de compléter le conteneur qui doit partir. Ça va me permettre de compléter le billet que je dois acheter. Ça va me permettre de compléter mon loyer. Ça va me permettre de compléter peut-être la dette que j'ai parce que j'ai emprunté un costume. Nous connaissons nos réalités, n'est-ce pas? Elles ne sont pas mauvaises. Est-ce que Jésus-Christ passe avant? C'est là toute la question. Mais David dit non, il dit non, je paierai de ma poche.
Car je ne veux pas donner à l'Éternel un sacrifice qui ne m'est rien coûté. Je ne peux pas donner à Dieu l'holocauste qui ne m'est rien coûté. Comment considérerais-je Dieu si je viens lui donner quelque chose qui ne m'est rien coûté? Comment considérerais-je? Quelle valeur je donne à ce Dieu-là? Alors que je peux, mais je veux économiser. Parce que je veux donner à l'Éternel quelque chose qui ne m'est rien coûté. Alors que lui, il a tout payé pour moi. Tout payé pour moi. L'holocauste, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Les sacrifices, tu devais aller l'acheter, le prendre, l'emmener. Et ensuite, tu l'offrais à l'Éternel. Et David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'est rien coûté. Je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'est rien coûté. Parce qu'il voulait payer. Et c'est là aujourd'hui où on se pose la question de savoir, mais pasteur, c'est bien de prêcher cela, mais on nous a dit que Christ est mort à la croix pour nous. Devrions-nous encore payer? C'est là où on me dit, pasteur, mais c'est bien beau de parler de la dîme. Mais c'était l'Ancien Testament. Devrions-nous encore payer la dîme? Christ a déjà payé pour nous. Devrions-nous encore faire des actions de grâce? C'est comme si nous achetons la grâce. Oui, vous savez, il y a des gens qui donnent les dîmes, les actions de grâce, parce que dans leur tête, ils se disent, je vais acheter la grâce auprès de Dieu. On ne donne pas avec cette intention-là. Alléluia. Amen. On donne ces choses-là par amour pour Dieu. Mmh. Alléluia. Mmh. Par amour pour Dieu. Mmh. Vous savez, Christ parlait en parabole. Et laissez-moi vous donner une anecdote, une histoire. Il y avait dans un village des investisseurs qui sont venus et qui ont dit, on va mettre un hôpital. Un petit hôpital, un petit dispensaire dans ce village. Pour tous les villages d'alentour. Et tout le monde pourra venir se faire soigner gratuitement. Vous n'avez rien à payer. C'est un don. Et tous les gens, tous les villageois étaient contents. Tous les matins, c'était plein à craquer. Et ils avaient beaucoup de travaux. Ils devaient travailler. Ils étaient au four. Mais ils n'avaient personne pour les aider. Mais il y avait une femme qui, elle, tous les matins, elle venait avant même, à l'aube, elle venait. Elle enlevait les poubelles. Elle nettoyait. Elle faisait le grand ménage, elle rangeait tout parce que les médecins qui étaient là, ils n'avaient pas le temps tellement ils étaient débordés. Le soir, quand ils avaient fini, ils étaient tellement fatigués qu'ils partaient. Mais le lendemain matin, il fallait ouvrir de si bonne heure pour commencer à recevoir. Déjà, il y avait une queue qui attendait. Et ils n'avaient pas le temps. Quand ils devaient ranger d'eux-mêmes, ils commençaient à recevoir peut-être les malades que l'après-midi parce qu'il y avait tellement du désordre. Mais elle, elle venait, elle se préoccupait de l'hygiène. Elle venait avec ses propres produits et elle mettait et elle arrangeait. Elle vidait les poubelles. Et quand à chaque fois les médecins venaient, tout était propre. Tout était rangé. Il y a eu un jour où ils ont eu une livraison qui a tardé à venir. C'était des vaccins. Ou des médicaments, que sais-je. En tout cas, ça tardait à venir. Ça allait venir peut-être que le lendemain. Et il ne restait qu'une dose. Une seule dose. Et cette femme-là, elle était malade. Et les autres aussi étaient malades. Ils se présentent tous et ils disent, nous sommes malades. Et il fallait injecter cette dose, il ne restait qu'une seule dose. Les médecins ont dit, nous allons d'abord donner la dose à cette femme-là. D'autres ont crié, ont dit, mais c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Pourquoi? Pourquoi elle et pas nous? C'est de l'injustice. Les médecins ont dit, tout le monde vient se faire soigner gratuitement. Mais dans cette gratuité, cette femme, elle prend soin de cette œuvre. Amen. Les médecins ont dit, si on ne la soigne pas elle, demain matin, vous, quand vous viendrez, on ne pourrait pas vous soigner parce qu'il y aura du désordre. Or, si on la soigne d'abord, elle, demain, elle sera en forme. Quand on aura la livraison demain, on sera prêt à vous soigner, vous tous. Alors, on va d'abord servir cette femme. Est-ce que tu as compris la leçon? Quelque chose de gratuit. Gratuit. Mais cette femme-là, dans cette gratuité, elle s'est dit, je vais donner ce que je peux. Pour faire en sorte que cette gratuité-là soit encore bonne, meilleure. Alléluia. Parce que quelque chose de gratuit peut se détériorer. Mais cette femme-là ne voulait pas que ça se détériore. Et elle prenait sur ses propres deniers. Elle allait en ville. Elle achetait tous les produits. Et tous les matins, elle venait travailler. Tous les matins, elle venait arranger. Tous les matins, elle venait soigner. C'était gratuit. On ne la payait pas. Personne ne lui disait de faire ça. Elle n'avait plus l'obligation de faire ça. C'était gratuit. Mais sa préoccupation lui apportait une faveur. Tu comprends? Tout le monde dit, nous sommes à l'époque de la grâce. Oui, Dieu a déjà donné son Fils unique.
Eh bien, mais quand tu donnes ta dîme, ça permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Quand tu donnes ton offrande, ça permet à Dieu d'avancer. Ça permet à cette grâce-là d'atteindre d'autres personnes. Ça permet à cette grâce-là de continuer à se manifester et d'agir. Tu me diras, oui, mais il y a des pasteurs qui sont des voleurs. Laisse-moi te dire avec un grand oui en majuscule et en gras. Oui, il y a des pasteurs qui sont des voleurs. Je ne dirai pas le contraire. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Oui, il y en a. Mais est-ce que tu veux mettre tout le monde dans le même panier? Y a-t-il pas des médecins qui ont déjà raté et ont tué des gens? Pourquoi tu continues d'aller à l'hôpital? Pourquoi tu continues d'aller à l'hôpital? Y a-t-il jamais eu des femmes qui ont fait des fausses couches? Pourquoi tu continues d'avoir et de désirer d'avoir des enfants? Ça attire des faveurs. Parce que quand on te donne quelque chose de gratuit et que tu en prends quand même soin, bien aimé, même la personne qui t'a donné gratuitement, ça crée quelque chose en elle. Et elle te donne plus que la gratuité. Au-delà de la gratuité, elle te donne une dose supplémentaire. Parce qu'elle se dit, tu as, malgré que ça a été donné gratuitement, tu as compris la valeur de la chose qu'il a donnée. Aujourd'hui, la grâce nous fait oublier la valeur de ce que Dieu a fait. Au point que nous devenons ingrats et nous nous cachons derrière la grâce. En disant, ça a déjà été donné gratuitement, donc je ne donnerai plus rien. Bien aimé, ça a été donné gratuitement. Mais si tu continues de faire et si tu as compris, tu es béni de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. J'aime bien souvent donner l'exemple de l'école. Quand tu es enfant, on te dit ce qu'il faut faire. Lève-toi, va le matin à l'école. On te dit l'école est obligatoire. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, il m'est arrivé des moments à l'école où j'ai maudit celui qui a fait que l'école soit obligatoire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé par la tête de cet homme pour que l'école soit obligatoire? Et des fois, avec les amis, on se dit, mais en quoi l'école est obligatoire? Est-ce que quand je serai dans mon bureau, on va me demander 1 plus 1 est égal à combien? On se dit, mais c'est, on ne voit pas l'utilité de l'école. Mais on y allait parce qu'on n'avait pas le choix. Alléluia. On ne sait pas comme ici où tu fais ce que tu as envie de faire. Nous, c'était à la dure. Si tu ne vas pas... Déjà, comment tu vas rester à la maison le matin? Tu vas rester pour faire quoi? À l'époque, il n'y avait pas de game, il n'y avait pas de switch, il n'y avait pas de tout ça. Tu vas rester faire quoi? On n'avait que 2 chaînes de télévision. Et puis, on portait l'uniforme. Donc, quand tu ne vas pas à l'école dans la rue, tout le monde sait que toi, tu es encore un élève. À cette heure-ci, tu fais quoi à l'extérieur? C'était compliqué. Mais on était obligé, on le faisait par obligation. Et vous savez, dans ce pays ici, à 16 ans, on nous dit que la loi dit l'école n'est plus obligatoire. À 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. Mais je me suis toujours posé la question. Pourquoi, au-delà de 16 ans, il y en a qui continuent quand même les études alors que ce n'est pas obligatoire? Vous n'avez jamais posé la question? Pourquoi il y en a qui continuent toujours, jusqu'à aller même au master, doctorat? Mais mon cher, l'école n'est plus obligatoire à partir de 16 ans. Qu'est-ce que tu as à te prendre la tête à continuer d'étudier jusqu'à aller faire un bac plus 5, jusqu'à aller faire un doctorat, une maîtrise? Tu n'as rien à faire de ta vie. L'école, à partir de 16 ans, tu peux arrêter. Mais pourquoi il y en a tant qui continuent? Parce que quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas compris la valeur de l'école. Mais quand ils ont grandi, ils ont compris la valeur de l'école. Alors celui-là qui a compris la valeur de l'école, même si tu viens de lui dire... L'école, tu peux arrêter à 16 ans. Il te dira, moi, je continuerai. Ouais. Et là, en ce moment-là, quand il se lève le matin pour aller à l'école, pas parce qu'on l'oblige, parce qu'il a compris la valeur qu'il y a derrière cette chose-là. Ouais. Quand à l'université, qui vient te lever le matin pour aller à l'école? Il n'y a pas de cahier de correspondance pour qu'un professeur d'université écrive à tes parents et dise que tu as raté l'école. Ça n'existe pas. Tu fais ce que tu veux, tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Mais pourquoi tous ces étudiants-là se lèvent quand même le matin et vont quand même au cours? Pourquoi? Alors que ce n'est pas obligatoire. Ils ont compris la valeur. C'est-à-dire qu'au départ, c'était obligatoire. Parce qu'il fallait leur inculquer cette valeur-là. À un moment donné, si tu as compris, on n'a plus besoin de te dire. Même si on enlève l'obligation, tu gardes la valeur de la leçon que tu as eue. Alléluia. Et c'est comme ça que moi, je compare la loi et la grâce. La loi, Dieu a imposé des choses. Il a commencé avec son peuple. Il les a sortis d'Égypte. Il leur a inculqué des choses. Ceux-là qui ont gardé les leçons de ce que la loi nous disait. Aujourd'hui, même si on vient te dire la loi n'est pas là,
Même si on veut te dire que la loi n'existe pas, si tu connais la valeur des choses qu'il y avait derrière la loi, bien aimé, de toi-même tu vas continuer. De toi-même tu vas continuer. Et tu te poseras même plus la question de savoir est-ce que je dois encore donner ma dîme, est-ce que je dois encore donner l'offrande. Tu te poseras plus la question. Parce que même si on veut te dire que ce n'est pas obligatoire, tu diras ok, j'ai bien compris que ce n'est pas obligatoire, mais je vais donner quand même. Parce que moi j'ai compris le secret qu'il y a derrière. Ce n'est plus une question d'obligation. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que Job, lui, il donnait pour chaque enfant l'holocauste. La grâce que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, c'est que dans ce temps de grâce, tout ce que nous donnons est appuyé sur l'holocauste parfait qui a été fait en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été basé sur l'holocauste parfait en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un seul sacrifice pour nous tous. Par ce seul sacrifice, nous sommes tous sauvés. Un seul sacrifice pour nous tous. C'est ce que Dieu a fait pour nous tous. Il n'a pas voulu faire plusieurs croix. Il n'a pas voulu que Jésus-Christ meure pour autant de milliards de gens qu'il y a sur la terre. Un seul sacrifice qui nous a sauvés tous. La Bible dit qu'il est entré une seule fois, seul, dans le temple. Dans Hébreu, si on peut mettre le passage d'Hébreu sur là. Il est entré dans le temple une seule fois et il s'est sacrifié seul. Alléluia. Seul, il est allé avec son offrande. Et il a donné. Maintenant, pour autant, nous, parce que nous avons compris, quand nous venons à l'Éternel, nous disons, Seigneur, sur la base du sacrifice que toi tu as fait, comme je connais la valeur de ce que tu as fait, je viens te donner. Bien-aimés, nous ne venons pas pour parfaire l'œuvre de la croix. Nous venons nous appuyer sur l'œuvre de la croix pour témoigner notre reconnaissance envers Dieu. Et en ce moment-là, à cause de la croix, ce n'est plus parce que je veux acheter, mais à cause de la croix. Je viens, je dis, Seigneur, je te donne mon offrande parce que je sais que tu vas bénir ma famille. Amen. Seigneur, je viens, je te donne mon offrande parce que je sais que tu as déjà béni ma famille. Amen. Tu as déjà sauvé ma famille. Amen. Maintenant, par mon offrande, je vais te dire merci. Parce qu'en te disant merci, je déclare et je crois que ce que tu as fait à la croix va s'accomplir dans l'éducation de mes enfants. Ce que tu as déjà fait à la croix va s'accomplir dans mon travail, va s'accomplir dans ma vie, va s'accomplir dans ma santé. Je ne viens plus comme Job pour obtenir, je viens pour réclamer ce que toi tu as déjà fait. C'est différent. Je ne viens plus comme pour donner quelque chose parce que je vais obtenir. Je viens te donner parce que je te remercie déjà de ce que tu as fait. Amen. C'est pour ça que nous disons au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a déjà accompli. Et ce que je viens te donner, Seigneur, c'est parce qu'à la croix, tu as déjà accompli. Yes. Ce n'est plus une question d'hasard. Tu as déjà agréé. Alors moi, je n'ai plus besoin de chercher autre chose que de venir dire, Seigneur, merci pour la croix. Et quand je dis merci pour la croix, je viens. Ce que tu as donné gratuitement, moi je veux encore appuyer et faire en sorte que cette gratuité-là soit utile et que ça continue de bénir plusieurs personnes. Je sais que quand je donne, c'est pour la bénédiction et l'avancement du royaume. Et à ce moment-là, si tu te comportes de cette manière-là, tu fais comme Job et ta maison est bénie. Ta maison est bénie. Bien aimé, ne laissons pas négliger notre relation avec le Seigneur par toutes ces informations qui pollue aujourd'hui. On a avec des amis un groupe de recherche où chaque fois qu'on détecte des choses un peu bizarres sur internet, on se partage. Je peux vous dire, des fois il y a des choses invraisemblables. Que les gens prêchent dans des assemblées pleines à craquer. Et les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Mais quand on est outré, on regarde, on se dit, mais Seigneur, où va ce monde? Où va ce monde? Les gens disent aujourd'hui tout et n'importe quoi. Si tu n'as pas les bonnes bases et si ta relation avec Dieu n'est pas basée sur l'amour, à chaque fois qu'on viendra te dire quelque chose, tu seras prêt à abandonner. Parce qu'en toi, tu ne cherches pas des raisons pour t'attacher à Dieu, mais tu cherches des raisons pour te détacher de Dieu. Ta disposition n'est plus la même. Ta disposition n'est plus la même. Bon, aujourd'hui, qu'on vient de me dire, oui, ne donne pas à Dieu. Je me dis, mais même si aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, et si je donne à Dieu, ça fait quoi? Je l'aime de toute façon. Amen. Je l'aime. Donc même si vous venez me dire que ce n'est pas obligatoire, et si je lui donne, ça fait quoi? Parce que de toute façon, je l'aime. Donc que ce soit obligatoire ou pas obligatoire,
Moi, je lui donne par amour. Amen. Ça ne dépend pas d'un décret, une loi. Non, je n'ai plus besoin de la loi pour cela. Je n'ai plus besoin de la loi. De toute façon, je l'aime. C'est tout. Il y a eu un débat à la télé, une femme qui est passée qui réclamait que ses enfants l'avaient abandonnée parce qu'ils ont été élevés par une autre maman. Mais effectivement, elle en premier, elle avait abandonné ses enfants-là. Et la dame qui avait élevé les enfants d'une autre, elle dit de toute façon, peu importe, même si ces enfants-là aujourd'hui, ils veulent revenir à leur vraie maman, pour moi, ce sont mes enfants, je continuerai de les aimer. Elle dit, ça ne changera rien. C'est leur maman, c'est leur maman. Si elles veulent, ils veulent rentrer vers leur maman. Mais l'amour que j'ai déjà développé pour eux, je ne peux plus faire marche arrière. Je les ai pris, des petits. Je les aime et je les aimerai toujours. Quand elle a dit ça, les deux enfants sont venus à ses pieds. Elles ont dit, maman, c'est toi qu'on reconnaît comme maman. Celle-là, elle nous a abandonnés. Elle nous a jetés. C'est toi. Vous savez, il y a des choses, ça ne dépend plus des lois. Ça dépend de l'amour. Amen. Alléluia. Et on voit que Job faisait ces choses par amour pour Dieu. Ni à cause de l'argent, ni à cause de la loi. Parce que quand il avait tout perdu, sa femme l'a dit, maudit Dieu et meurt. Job a dit, non, je sais que mon rédempteur célébrera le dernier. Il me connaît, je le connais. Notre relation n'est pas basée sur le fait qu'il me donne. Notre relation est basée sur le fait que je l'aime et il m'aime. Bien-aimé, apprends à élever les holocaustes. Apprends à donner des actions de grâce pour les choses que tu veux dans ta vie. Et ces choses-là, à cause de la croix, Dieu les a déjà accomplies. À cause de la croix. Parce que nous croyons que nous dirons tout à cause de la croix. C'est à la croix que Dieu nous a tout donné. Et c'est par la croix que nous revenons. Pas pour dire, Seigneur, ce que tu as fait est insuffisant. Mais pour dire, Seigneur, nous croyons justement à ce que tu as fait. C'est pour cela que nous te donnons. Nous croyons à ce que tu as fait. C'est pour cela que nous t'apportons quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être ça se perd. Vous savez, dans les milieux ruraux, où il y a ces médecins, où il y a ces magistrats, où il y a ces avocats, ces femmes-là, où il y a ces hommes-là, n'ont peut-être rien à donner. Ces gens-là, ils font un travail gratuitement. Mais à la fin, tu reviens et tu donnes quelque chose. Alléluia. Une fois, je suis allé dans une mairie dernièrement, et à chaque fois que je vais dans cette mairie-là, ces femmes-là m'accueillent formidablement bien. Et j'étais étonné moi-même, ce jour-là, j'ai fait une méditation moi-même. Quand je suis sorti de là, je me suis promis à moi-même la main sur le cœur. Je me suis dit, je dois leur ramener un cadeau. Elles ne m'ont rien demandé. Elles font que leur travail. Alléluia. Mais quand tu es touché, quand il y a l'amour, tu as envie de donner. Amen. Tu comprends? Si tu aimes Dieu, bien-aimé, cette relation-là d'amour, rien ne viendra changer. Qu'il y ait la loi ou qu'il n'y ait pas la loi, rien ne viendra changer. Amen. Mais laisse-moi te dire que derrière chaque sacrifice, ça déclenche toujours la grâce. Amen. Ça déclenche toujours la grâce. La main qui donne, c'est la main qui contrôle. Yes. Quand tu donnes, tu touches le cœur d'une personne. Amen. C'est ça que vous voyez dans plusieurs métiers, dans des métiers sensibles, même les cadeaux, on vous limite. On te dit, tu ne peux pas accepter des cadeaux d'une certaine valeur. Parce qu'on sait que les cadeaux, bien aimés, ça influence. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des fois, tu peux être occupé, tu es en train de travailler. On te dit que telle personne te cherche. Tu dis, tu regardes sur moi le nom de la personne, tu dis, dites-lui que je ne suis pas là. Mais des fois, on t'évoque le nom d'une personne. Tu dis, pas plus tard qu'hier, cette personne a fait ça pour moi. Faites-le entrer, c'est pas grave. Je trouverai du temps pour elle. Bien aimé, si ça joue sur le cœur des hommes, sachez que dans le cœur de Dieu, ça joue. Christ, on est venu lui dire, cet homme qui est en train de te parler, fais quelque chose pour lui. Fais quelque chose pour lui. Il est romain, mais écoute-le. Il nous a bénis dans ce pays. Il a construit des cités. Il nous a bénis. Si ça ne valait pas la peine, Christ allait leur dire, taisez-vous. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés. Mais Christ, il a entendu et il a fait. Ça veut dire que Christ a compris que ce qu'on avait dit là, ça jouait dans son cœur. Yes. Ce n'est pas pour rien que quand Christ il entre chez Pierre, il voit la belle-mère de Pierre malade, il se précipite de guérir la belle-mère de Pierre. Il sait que je mange ici. Je mange ici. Mais elle, si je la guéris, elle va les préparer. Je mange ici. Moi, je n'ai pas de femme. Donc quand j'ai fini de manger ici, là, je vais dormir. Même s'il allait prêcher partout avant de dormir, il sait que je dois passer chez Pierre.
Quand j'arrive chez Pierre directement, on met la marmite au feu. Et bien la boule nationale. Et une personne paraît, si elle est malade, que ferais-je pour elle? Je ne peux que me précipiter. Bien, mais ce sont des choses, il y a des choses qui ne sont pas peut-être écrites noir sur noir dans la Bible. Mais quand tu comprends la pensée qu'il y a dans la Bible, tu es béni. Alléluia. Quand tu comprends la pensée qu'il y a dans la Bible, tu es béni. C'est tout. Cette femme-là, elle a simplement caché les espions. Rien ne l'obligeait de cacher les espions. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Je vais même te dire quelque chose qui va te troubler. Je ne devrais peut-être pas le dire. Mais je te dis pour te montrer à quel point Dieu est des fois sensible à certaines choses. Cette femme-là a menti. N'est-ce pas vrai qu'elle avait menti? On vient, on lui dit, ils sont expliqués. Il dit non. Elle a menti vrai ou faux? Pendant qu'elle était sur palais, ils étaient où? En toi, caché sous la paille. Elle a menti, n'est-ce pas? Oui. Mais avant de partir, elle dit, ma famille, ils lui promettent, ils disent, ta famille, on ne va pas toucher. Rien qu'à cause de ça. Pourtant, elle n'était pas du peuple de Dieu. Elle était considérée comme un peuple impur. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que les œuvres sauvent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je sais, une chose est vraie. Les œuvres, ça attire la faveur. Amen. Ah, tu ne pourras pas me contredire. Les œuvres, ça attire la faveur. Ça attire la faveur. Il savait que je pouvais aller n'importe où. Mais quand je passe à Béthanie, c'est chez Lazare que je vais aller. Donc quand les sœurs de Lazare avaient besoin de lui, il était là. Il était là. Il savait que là-bas, il le faisait par amour. C'est pour ça qu'il allait manger chez eux. Pensez que si Christ voulait manger dans la maison, beaucoup de gens étaient prêts à le recevoir. Mais beaucoup de gens étaient prêts à le recevoir par orgueil. Il allait là où on le recevait par amour. Et il savait que ces gens, ils me donnent parce qu'ils ont cru en moi. Ils me donnent par amour. Et c'est pour ça que moi aussi, je leur fais du bien. Bien aimé, ce que tu donnes à Dieu, ça tira toujours des faveurs. Toujours des faveurs. Apprends à prier pour ta famille. Et selon que l'esprit te pousse, si tu le sens, ne regarde pas à la fin du mois. Ne regarde pas à ton petit salaire. Regarde, donne à Dieu. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Ça ne sera jamais suffisant de toute façon ce que tu donneras. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Ne fais pas trop de calculs. Donne à Dieu. Je te dis la vérité. Ça tira toujours, toujours, toujours des faveurs. Dieu veut ceux qui se disposent et ceux qui donnent. Alléluia. Par amour. Dans le Nouveau Testament, acte 2. On voit que là, on est dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est déjà descendu. On a déjà commencé cette ère de grâce. Mais on voit dans acte 2 ce qui se passait. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Là, on est déjà dans le Nouveau Testament, mais ces gens, on n'a plus besoin de la loi pour leur dire quoi que ce soit. La Bible ne dit pas qu'on leur a dit « Vendez vos maisons ». Ils ont compris que nous avons la grâce et Dieu a donné l'évangile par grâce. Mais ils ont compris que l'évangile a besoin de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? La Bible dit qu'ils ont commencé à vendre leurs biens. Et ils ont mené ces biens-là au pied des apôtres. Et ce bien-là a été distribué pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a visités fortement. Parce que c'est des gens qui étaient capables de faire des sacrifices au-delà de tout. Et ceux-là qui ont voulu faire des calculs et se dire, nous voulons garder le meilleur pour nous et donner le peu pour Dieu. Dieu leur a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui a pris vos cœurs à vouloir mentir le Saint-Esprit? Ananias et Saphira ont été frappés. C'était leur propre bien. Ils étaient libres de donner à Dieu ce qu'ils avaient envie de donner. Mais pourquoi mentir à Dieu? Pourquoi mentir à Dieu? Pourquoi tu veux mentir à Dieu? Alléluia. Et on voit ici une chose, c'est que quand on aime Dieu, comme je le disais, quand tu aimes, tu donnes au-delà de ce que même on t'oblige de donner. Quand tu aimes,
Quand tu aimes, tu donneras toujours plus que la norme qui est établie. C'est ça, quand on aime. Quand tu fais les choses parce que la loi t'oblige, tu donnes ce qu'on te demande. Mais quand tu fais les choses par amour, tu donneras toujours plus que ce qu'on te demande. Toujours. Tu auras toujours cet élan-là à donner plus. Là, on n'a plus besoin de venir leur rappeler la loi. On n'a plus besoin de venir leur rappeler la loi. Ils ont compris qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu. Ils ont compris le sacrifice. Ils ont vu Christ mourir, ressusciter et monter à la droite du Père. On n'a plus besoin de leur parler, de leur pour dire la loi dit. Alors, quand la loi disait qu'il fallait donner le 1/10, la Bible dit eux, ils vendaient carrément leur propriété et ils donnaient tout à Dieu. Par amour, ils ont commencé à donner beaucoup plus que même ce que la loi demandait. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu feras des choses au-delà. Mais surtout, tu feras comme Job. Job disait, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait. Mais s'il faut venir prier devant la face de l'Éternel et emmener l'holocauste pour chacun, je le ferai. Aujourd'hui, tu as besoin simplement de t'appuyer sur l'holocauste de Jésus-Christ. Et de dire, Seigneur, moi je crois. Et s'il faut bénir ton nom en donnant, je donnerai. Parce que je sais que tu agiras dans la vie de mes enfants. Je sais que tu agiras dans ma vie. Je sais que tu feras tout. Job, la Bible dit, il sanctifiait ses enfants et il donnait l'holocauste. Alléluia. Non, tu es debout pour prier. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier tous ensemble. Que par le sacrifice de la croix, tu puisses déclarer maintenant. Déclarer maintenant dans ta vie. Déclarer maintenant dans la vie de tes enfants. Sous le sacrifice de la croix. Le sacrifice que Christ nous a donné. Pour ton travail, pour tes affaires, pour ta santé, pour tes projets. Pour ta maternité. Pour ton mariage. Pour tes fiançailles. Pour tes études. Je ne sais. J'aimerais que tu déclares que le sacrifice de la croix vaut tout. Job disait, je ne sais pas. Comme de la même manière, tu ne sais pas avec qui tu vas collaborer pour ton business. Tu ne sais pas peut-être là où tu vas investir, les personnes à qui tu vas donner ton argent. Nous ne savons pas vers qui nous envoyons nos enfants. Nous ne savons pas nous-mêmes pour qui nous travaillons réellement. Mais si seulement l'œuvre de la croix est implantée et dire, Seigneur, tu as déjà sacrifié ton fils. Là où il y avait un piège pour moi, il y avait un piège pour mes enfants, pour mon foyer. Là où il y avait un piège pour mon mariage. Il y avait un piège pour mes parents, pour mon frère, pour ma soeur. La croix de Golgotha a payé. La croix de Golgotha a payé. J'aimerais que tu élèves le sacrifice, que tu élèves la croix. Et que tu déclares maintenant. Bien-aimés, nous sommes en train de déclarer. Ces temps sont des temps importants. Des prières de déclaration, tu es en train de déclarer sur ces choses. On ne va pas chanter pour le moment juste le piano. Mais tu es en train de déclarer. Je ne te dirai pas donne une offrande. Si tu le sens dans ton cœur, tu le feras. Mais ce que je te dis, la croix, la croix, la croix. La croix de Golgotha. Alors déclare pour la santé de tes enfants. Déclare pour ta santé. Dis à la croix, Seigneur, tu nous as donné la santé totale. Dis à la croix, Seigneur, tu nous as mis à l'abri de tout virus. Le Covid est arrivé, ça a terrassé des familles, ça a tué. Dis Seigneur, merci parce que tu me mets à l'abri de ces choses. Demain, je ne sais pas quel sera encore un virus, une bactérie qui devra encore nous embêter. Je déclare, Seigneur, je ne sais pas avec qui je travaille réellement, mais là où on m'a tendu un piège, la croix de Golgotha est élevée. Seigneur, maintenant, j'emmène la croix, le sacrifice de la croix pour les pièges qui m'ont été tendus. J'emmène le sacrifice de la croix pour mon futur mariage. J'emmène le sacrifice de la croix pour mes enfants, j'emmène le sacrifice de la croix. Là où peut-être ma belle famille est en train de me calomnier. Là où ma belle famille est en train de m'écraser, de projeter du mal contre moi. J'emmène le sacrifice de la croix. Tu as déjà payé, je ne tomberai pas dans le filet de l'oiseleur. Tu as déjà payé, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas dans le filet de mes ennemis. Tu as déjà payé, Seigneur. Tu as déjà payé, la croix est là. La croix est là. Je sors ce matin et j'emmène sous l'autel la croix de Golgotha. Et je déclare pour mon travail, je déclare pour mon stage, je déclare pour mes études, je déclare pour mes enfants, je déclare pour ma vie
Je déclare pour mon futur. Je déclare pour mon université. Je déclare pour mes études. Je déclare pour ma santé. Je déclare pour mes projets. Est-ce que tu peux élever la voix et déclarer maintenant? Déclarer maintenant. Je te parle de l'holocauste de la croix. Je te parle de l'holocauste de la croix. Le sacrifice suprême et parfait. Seigneur, je ne sais pas cet homme que je vais épouser. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cette femme que je vais épouser. Le cœur de l'homme est tortueux. Je ne connais pas cette famille dans laquelle je vais entrer. Je ne connais pas là où je vais travailler. Celui qui m'embauche, celui qui me paie, je ne connais pas, je ne connais pas réellement. Mais Seigneur Dieu, la croix, je veux faire comme Job. Je vais faire comme Job, la croix. Le sacrifice suprême, la croix. Est-ce que tu peux déclarer? Seigneur, pour ma santé, Seigneur, je déclare la croix. La croix, Seigneur. Ce qui menace mon foyer, ce qui menace mon mariage, ce qui menace mes enfants, la croix, Seigneur. Quand je prends le train le matin, je ne connais pas les conducteurs. Je ne connais pas celui qui est assis à côté. Quand je m'assieds sur un siège dans le métro, dans le bus, je ne connais pas la personne qui était assise avant moi. Je ne connais même pas son état d'âme, celui qui était assis juste avant moi. Quand je prends l'avion, je ne connais pas l'état d'âme, ni de l'équipage, ni de la compagnie. Mais Seigneur, la croix, là où il y a eu un piège, Seigneur, la croix. Je veux faire comme Job, Seigneur. Je ne sais pas, sait-on jamais. Alors, moi je sors avec de bon matin avec la croix de Golgotha. Je sors de bon matin avec Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Seigneur, rien ne m'arrivera. Tu protégeras ma santé, tu protégeras mon travail, tu protégeras mes affaires, tu protégeras mon business, tu protégeras, Seigneur, tu protégeras et encore, tu protégeras, Seigneur. Tu protégeras, Seigneur. Déclare avec moi. Pendant que je suis en train de prier avec toi, je prie pour toi aussi. Pendant que je suis en train de prier avec toi, je prie pour toi aussi. Je prie pour toi aussi. Alors monte avec moi en prière et déclare, bien-aimé. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Je ne peux pas déclarer à ta place. Donne-moi tous les jours, Seigneur, la croix, je refuse les pièges, la croix, je refuse les compromis, la croix, Seigneur Dieu, oh, la croix, Seigneur. Ce monde est plein de pièges, Seigneur, et tous les jours nous sommes exposés aux pièges. Je ne sais pas qui côtoie mes enfants. Je ne sais pas qui côtoie mes enfants, mais la croix, Seigneur. Je ne sais pas qui côtoie mes enfants, mais la croix, Seigneur. La croix éternelle, la croix. Je ne sais pas qui combat ma maternité. Je ne sais pas qui combat mes enfants, Seigneur. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Quand tout le monde voit mes enfants, c'est des cadeaux. Et les salutations, mais je ne connais pas leur état d'âme. La croix, tu as déjà payé la croix, Seigneur. Et qui m'a